l'histoire retiendra un empire sans cesse en expansion. Pourtant demeure le regret que tu ne sois pas né homme. Père, doux père, pour une dernière fois, si une situation ne vous sied guère, changez-la. Ma tendre fille, je ne briserai pas des siècles de tradition, aussi inquiétant qu'ils soient. Ton frère me succédera au trône. Tu devras l'aider contre lui-même, le canaliser, peut-être même gouverner dans l'ombre. C'est bien votre frère qui est à l'origine du sabotage de votre tournage. Que ça nous serve de leçon. Il ne faut pas laisser les hommes parler à notre place. La fille est avec lui ? Oui, et sa famille a été payée. Comme si ça la ramènerait. Qu'as-tu ? J'ai peur pour votre vie, madame. Il est encore temps de renoncer. Je viens d'embrasser mon père une dernière fois. Madame. Votre père mourant, votre frère se fera un devoir de me tuer pour cette hérésie. Je connais mon frère. La présence d'une jouvencelle dans sa couche atténuera les quelques contrariétés que ce métrage puisse susciter. Des femmes qui dirigent des hommes. Oui, une hérésie. Parce que vous pensez que vos jours n'en seraient moins comptés si vous n'acheviez pas votre œuvre ? Mon œuvre. Votre révolution n'est pas si silencieuse que vous le pensez. On en entend des murmures dans les couloirs du Sénat. Bien souvent accueillis par des rires. Vous ne lèverez jamais le glaive sur le protégé du futur empereur. Vous avez bâti votre renommée sur de la transgression. Mais peut-être que le mécénat impérial a définitivement compressé vos attributs. Je vous donne l'occasion de proposer une alternative innovante, à contre-courant d'un déterminisme social créé et développé par l'Empire. Un rebelle impérial. Voilà ce que vous êtes devenu. Un rebelle impérial vivant. La vie ne tient pas à grand-chose. La vie ne tient pas.